munna ansa wane munna la Guinée opposition républicaine kadia ka la Guinée kadem bela banu bomen ya anona alta kala ma la Guinée kan ka wabulo menka ukoroma ambla diaka kadia ka dunya bela ko mardi men na tote awoto manifestation belebele le kala manifestation o la Guinée la saria le kadiaka na kodo e la Guinée kono jamana kono ko men mi hene ikakan ka boki manifeste o bla diaka ko UFDG militant be opposition militant be ko be concerné ne manifestation o la o koroma antena molfana jebila habadan momen ko alu malo la Guinée wala nyama esko ante sal jebila importance talla bambala lombi stratégique berete alpha condena la gouvernement bolo fo débat communautaire UFDG yang sosoye yang UFDG yang manika ye yang ema enere me kumala manika le ndi UFDG yang fula ye yang UFDG yang forese ye yang mais également plus souvent nan sarake ka wolema ko le faible momen fankantan barabara fo itala fo ka stratégie communautaire ta la Guinée to le ko république de Guinée en foyer ante momona la Guinée konaya asabena be la carte d'identité kané ko nationalité guinéen maintenant be la finke piège amma ko foytola amma ko yejmana el hajj mamma selu dale la Guinée mansaya 2020 amma ko yewolela nota kuma jini ka yele do anto jebila ha moli hankili laka anya wayro ma fenen depuis la Guinée ka indépendance soto aka indépendance ta hanye yoro mendo te leader parti politique ama 37 député la bomunu fo el hajj mamadou selu dale njallo eba ma fenen bi nyinya na la lo mendo kana ke parti ni kundi hal chef de quartier yoro dol da traité ambulu mais est ce que la Guinée yoro gembi kada mina kona kriya kawasu hanzo est ce que yoro yembe UFDG te ce chef de quartier présenté la yoro mendo o bla dia ka kwante na antolo malo la mola bi antantolo malo mola sini tala talong wole e manifestation di tana talong wole e manifestation di be ya fila de manye ni le kere ratomale ili take ratoma memba ke matam oda take matam memba ke konakri fanfa ou bien la Guinée fanfa edi si la manifestation kela mote na empêche la bi mote na empêche la sini parce que la Guinée saria le kadiaka vive l'UFDG vive l'Hajj Mamma Selu Dale Njallo salam alaikum vive l'UFDG vive la Selu Dale Njallo 2020 Sékou Touré 2020 Sékou Touré et la Selu Dale président ça sera par gré ou par la force et la Selu Dale Njallo président de la République de Guinée en 2020 si c'est pas ça c'est ça.
pu représenter ici aujourd'hui. Je suis ici en tant que frère. Je suis ici en tant que fils de Guinée. Je suis venu vous dire que j'ai été écœuré, meurtri par les larmes de cette fille, de cette femme, de cette mère de Kindia, Madame Alimatou Diallo. Grand frère, nous avons été tous meurtris par ce qui s'est passé à Kindia. J'ai honte que l'ensemble de la classe politique guinéenne, et notamment le clan d'en face, ne soit pas suffisamment républicain pour le moment venu mettre bas la terre et venir au moins rendre une empathie, somme toute, normale à une famille qui a été touchée par la barbarie des obscurantistes guinéens. Je voudrais dénoncer ici ce qui s'est passé à Kindia. C'est indigne de la Guinée. Ce qui s'est passé à Kindia est indigne d'un état de droit et d'un état républicain. Je voudrais vous dire que coûte, vaille que vaille, l'opposition républicaine est solidaire du président Sélou d'Alain Diallo. Je voudrais vous dire, à vous la jeunesse qui est au fond, que quoi qu'il arrive, nous serons à Sékou Touré en 2020. Nous avons droit dans ce pays à une alternance démocratique. Nous en avons marre de voir les urnes bourrées. Nous en avons marre que nos votes ne soient pas respectés. Enfin, nous en avons marre de souffrir de faim et de la malgouvernance. Je souhaite la victoire de Sélou d'Alain Diallo en 2020 pour une seule raison. Parce que je sais que cet homme va enfin nous donner le développement économique auquel nous avons droit. Je sais que cet homme va fabriquer, édifier, solidifier un état de droit où l'équité, la justice et la vie humaine seront respectées. Je vous remercie.
remercie le président de m'avoir donné cette opportunité pour enfin m'adresser à l'ensemble des militants et responsables de l'UFDG ici au siège. Ces derniers temps, nous avons appris beaucoup de choses concernant notamment le fédéral. Beaucoup qui disent « Sako a démissionné, Sako a laissé le bateau UFDG et s'est embarqué dans un bateau RPG, etc. etc. » Je tiens à préciser pour tout le monde que je suis un produit pur et dur de l'UFDG. Depuis plus de 20 ans, je suis en train de lutter à l'UFDG. Et depuis l'avènement de la Selou Dalin à l'UFDG, mon seul objectif, c'est de me battre contre vents et marées au risque de ma vie et de tout ce qui m'est cher pour conduire Elaz Selou Dalin Diallo à Sékou-Touréa. Donc il est hors de question que je m'arrête en si beau chemin. Parce que je suis sûr d'une chose, c'est qu'on est à quelques minutes, à quelques mois, à quelques années de la victoire finale. Celle qui consiste à conduire Elaz Selou enfin à Sékou-Touréa. Donc que ceux qui disent que Sako a démissionné, qu'ils sachent que Sako est et demeure UFDG. Que ceux qui disent que Sako a été acheté par le RPG, sachez que le RPG n'a pas de prix pour acheter Sako. Ils n'ont pas cet argent. Et autre chose, depuis une dizaine d'années, le RPG est au pouvoir. Ce n'est pas au moment de la décadence où tout le monde voit qu'il tombe que Sako ira vers eux. Je veux bénéficier du fruit de mon travail parce que le travail que Elaz Selou nous a montré, c'est la lutte, la justice pour tout le monde. Et je reste à côté de Elaz Selou jusqu'à l'aboutissement de ce combat-là. Donc, je tiens à rassurer tout le monde que je reste et demeure UFDG et que je suis prêt, je n'ai jamais essayé d'enfreindre aux lois du parti, je reste dans la discipline du parti, je respecte les règles et les principes du parti. Je vous remercie.